Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Maïe. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est si merveilleux, il est si bon. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous libérer des chaînes de la malédiction, des chaînes de l'esclavage. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prendre Matthieu 14, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons prendre encore Luc 6, le verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Alléluia! Voilà, il y a beaucoup de brebis galeuses. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Vous voyez, quand je reçois des vidéos, je vous montre pour que vous fassiez beaucoup attention. Je vais vous montrer une vidéo, vous-même, vous allez voir ce que vous allez faire. Voilà, je vous montre cette vidéo. Voilà, voilà, vous voyez? On dit c'est dans une église, parce que je vais pas vous montrer tout le film, mais je suis en train de vous dire que il y a beaucoup de faux prophètes. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Voilà, voilà. Elle a enlevé son slip et regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Je dis c'est malsain, c'est méchant, c'est médiocre, c'est des gens qui... Voilà, je ne peux plus, je peux pas trop commenter. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, frère en Christ, il faut faire beaucoup attention. Sœur en Christ, surtout nous les femmes rentrent partout. Tu peux pas aller dans une église comme ça où on enlève les slips ou bien on est en train de laver les gens dans une cuvette là. Je vais vous montrer cette vidéo là après. Mais je dis que c'est malsain, c'est méchant de déshabiller la femme, on déshabille la femme, ça n'honore pas, ça n'honore pas l'église. Vous voyez, c'est comme ça les faux prophètes agissent. Donc, toi, mon frère en Christ, toi qui m'écoutes, il y a beaucoup de choses. Il faut les dénoncer. Ceux qui peuvent les dénoncer, qu'ils le fassent. Alléluia. Alléluia. On lave les femmes dans les cuvettes maintenant à l'église des chrétiens. Voilà, les hommes et les femmes s'asseyent dans les cuvettes et on les lave. Vous voyez ça? Voilà, je vais vous montrer une autre vidéo encore où on embrasse des jeunes filles à l'église. On dit bon, ça c'est la délivrance qu'ils sont en train de faire. Voilà. Voici le pasteur qui est en train de il embrasse la fille et puis après il tombe en transe. Voilà. Vous voyez ça c'est malsain. Je vais vous montrer le début de cette vidéo. Je vais vous montrer, peut-être qu'il aime bien la fille et il passe par là pour l'embrasser. Voilà, je vous montre l'image d'abord. Vous voyez, il est en train d'embrasser la fille. Voilà, voilà. Vous voyez, il embrasse la fille. Vous voyez, donc il faut faire beaucoup attention. Il y a des brigands, des bandits, voilà, qui viennent, qui disent que bon, ils sont des serviteurs de Dieu. Mais je dis, Jésus-Christ n'a pas embrassé, n'a pas enlevé des démons dans la bouche de quelqu'un. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Et j'en ai plusieurs comme ça, plusieurs vidéos comme ça. Et c'est depuis l'année dernière que je devais en parler. Mais bon, je n'ai pas eu assez de temps pour le faire. Mais maintenant, cette année, je suis en train de dire que il faut faire beaucoup, beaucoup attention. C'est votre servante Maïe, nous allons terminer par la prière. Alléluia, Seigneur. Merci de dénoncer ces faux prophètes, ces méchantes personnes qui font n'importe quoi aux femmes. Éternel, glorifie ton nom et manifeste-toi au nom de Jésus. Papa, je vais te rendre toute la gloire. Nous t'aimons, Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni.
Amen. Au revoir.